Bonjour les redis, est-ce qu'il y a du monde ce matin dans le chat? On va commencer par vérifier. Et tu Le sens les mecs et... pire début d'émission, quoi. Ah ouais, mais on est en train de parler d'un petit truc super important off, mais on n'a pas vu la musique se finir. Et pourtant, on avait du temps, hein. Celle-là a duré 6 minutes quand même. Du coup, on a Nounours Barbu. Bonjour, oui, donc je réitère, j'ai écouté un de tes podcasts, c'était sympa, j'ai passé un bon moment. Je pense que j'en écouterai un autre pour bosser cet après-midi. On a Chouki, comment tu vas? Très matinal, Chouki. Toujours. J'ai appris que Chouki se levait beaucoup plus tôt que nous tous les matins. C'est fou. Je ne sais pas comment elle fait. Ah, je me et suis on a levé à bien sûr. 7h30 ce matin. Le Toba. Hier 7h30, ce matin 7h30. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je sais pas, je me couche tôt, je m'endors à 22h30. Donc. Et on a Metaloman qui est là d'habitude, toujours en first. Pareil, il se lève aussi pour nous, c'est adorable. Bah tu vois, Chouki, elle s'est levée à 6h30 ce matin. Je sais pas comment en fait. Moi, 6h30, des fois, c'est l'heure où je me couche, quoi. Bah, J'ai c'est un ça le problème. décalage. Mais non, je t'avoue que hier, je me suis couché tôt parce que je suis allé faire les courses. Du coup, mon dos s'est encore bloqué. Je me suis très vite transformé en espèce de petit vieux qui boite. Du coup, j'étais très très vite au pieu, mais pas moyen de m'endormir avant 2-3 heures du matin. Hein. C'est vraiment pas. Je sais pas. J'ai pas la même horloge. Je suis pas cadré pour ça. Du coup, on est le 7 mai, on est jeudi, donc demain c'est vendredi, double émission, et après c'est week-end, on va pouvoir dormir. Cool. J'allais dire, on va pouvoir et dormir bientôt tous la fin, ensemble. hein. Ouais, j'ai surtout failli dire, on va pouvoir dormir tous ensemble, mais je me suis dit non, j'ai pas assez de lit pour accueillir Mais tout le en fait, monde. je suis en train de penser C'est un un truc, bordel. mais demain c'est la dernière matinale. Non, parce que ça finit le 11 ou le 12, donc on a encore Ah ouais? une Lundi demi-semaine. 11, déconfinement. Ouais, Du c'est coup, ça. pas de matinale, parce que confinement Ah bah fini. si, parce que j'ai une surprise pour le 11. Ah oui, Et c'est on vrai, va... moi, ce sera On va certainement la dernière, ah alors. ouais, non, mais s'il te plaît, me gâche pas la dernière. Bon, Pour du la coup, il nous dernière en reste matinale... 3. Alors, normalement, j'ai les nouvelles ce soir, hein, donc pour le 11, ça sera la dernière matinale. Normalement, on va se faire plaisir. J'ai une petite surprise qui devrait être assez cool. Du coup, aujourd'hui, bah écoute, demain, grosse journée parce que double émission. Demain, c'est la journée Motorhead en plus, donc on va pouvoir se faire plaisir. Et du coup, bah moi, la bonne news de la veille, j'allais dire de la vieille, je sais pas pourquoi. La bonne news de la vieille, c'est que hier, j'ai pu sortir déjà pour faire mes courses, mais du coup, putain, ça faisait quoi, 3 semaines que j'étais pas sorti? Le bol d'air, mon gars, ça fait un bien fou. C'est un truc de balader. T'es en deux, tu sors pour faire tes courses, d'habitude, ça te fait chier, mais là, Bah t'en grave, profites. moi je vais faire tout à l'heure là, je vais prendre la voiture et tout, ça va être trop bien, je vais pouvoir conduire un peu. Ça me Et la bonne manque de news, fou voilà. quoi. Une bonne nouvelle de la vieille, on va dire, je vais y arriver. C'est qu'en plus, j'ai un groupe qui est venu me voir, un jeune groupe, qui pour moi est pas dégueu. Donc très bientôt, vous aurez une surprise au niveau de ce groupe. Du coup, voilà. Toi, ta bonne nouvelle, c'était quoi hier, Clément? Histoire qu'on commence dans Moi les ma bonne bonnes choses. nouvelle aujourd'hui c'est du coup aujourd'hui émission spéciale cover de Zouk. Évidemment, c'est faux. C'est une blague. Bonne nouvelle d'hier, c'était quoi? C'était. Ah oui, j'ai commandé mon. J'ai changé de forfait. J'ai Ah oui, c'est passé vrai. commande chez Bouygues. Je suis passé d'un forfait Orange plutôt merdique avec 10 Go d'internet par mois, que je payais 26 balles, pour un forfait chez Bouygues avec 100 Go d'internet et 10 Go à l'étranger. Pendant 30 jours, 100 gigas d'internet par mois en 4G+, pour 12 euros de moins par mois. Non mais attends, attends. Il Voilà, faut quand même remettre les la choses dans grosse douille l'ordre. d'Orange, Non, incroyable. non, mais il faut remettre les choses dans l'ordre. Le forfait 10 gigas, normalement, ça doit exister. Et bah En figure-toi que je d'aujourd'hui. regardais que les forfaits Orange ont pas beaucoup changé en fait. T'as que des forfaits genre 10, 20 gigas, mais c'est ultra cher quoi. Je crois que pour 50 gigas, c'est un forfait à 70 balles quoi. Ouais, non, mais. C'est ouf. Pour moi, ça ne. Non, mais pour moi, un forfait 10 gigas, ça ne devrait plus exister, en fait, aujourd'hui, avec de tous les serveurs qu'on a et compagnie et tout ce qui traîne, et puis surtout 10 gigas, 25 euros, c'est comme si un mec te vendait une clé USB 1 giga à 20 ou 30 balles, t'es, tu fais arrête, ça vaut plus le coup, quoi. Enfin, tu vois, c'est y a un truc qui va pas. Alors, il y Mais avait toi avec? Oui? juste pour terminer là-dessus, moi j'ai le 50 gigas qui coûte rien. Un rein, bah ouais, tu vois. Voilà. Et C'est non, changé, pour hein. De toute terminer. façon, les opérateurs téléphones, faut savoir, c'est que maintenant,
Alors, au début, à l'époque, on leur avait dit il faut pas faire tous les mêmes prix, mais ils n'ont pas respecté. Une fois que Free a explosé ce truc, après, ils se sont battus. Mais vérifiez, parce que chaque année, il y en a toujours un qui va essayer de niquer les autres, donc n'hésitez pas à changer. Surtout que maintenant, on garde notre numéro, donc Orange, ils on sont s'en pas fout. prêts de niquer les autres, mais Non. Mais Orange, ils s'en foutent, c'est eux qui ont les lignes téléphoniques. Bon. ouais, bon. Mais du coup, pour terminer là-dessus, hein, pour te dire, je te l'ai dit hier, moi, en 6 mois, mon forfait là chez Orange, il se remet à jour tous les premiers du mois. Et du coup, là, on est le 7 et j'ai niqué 80% de mon forfait. Donc 8 gigas sur 10, parce que je regarde full vidéo YouTube et tout en 720p et pas en 1080, sinon j'aurais plus de forfait. Mais parce Étonnant. que j'ai pas de wifi. Mais du coup, le forfait 100 gigas va grave faire plaisir, puisque si tu multiplies par 10, ça me fait. Au rythme que j'utilise là en ce moment, ça me fait 60 jours, quoi. Donc c'est Alors, cool. t'as Nounours Barbu qui fait après Orange, normalement c'est le meilleur réseau, mais ça n'excuse pas les prix de ouf, on est d'accord. Ouais, enfin, meilleur Et réseau, ça Metalman, dépend, hein, parce que voilà. Bouygues, ils sont pas dégueux non plus, hein. Voilà, et Metalman qui dit, moi, je suis sur Orange, c'est pour capter de partout. Eh ben écoute, Metalman, va te renseigner auprès de Bouygues. Parce que Bouygues, moi, j'y croyais. Enfin, c'était toujours pour moi tu sais, la tier list. Parce qu'au tout début, quand on était jeune, il y avait Orange et SFR. Après, il y a eu Free qui est venu, mais Bouygues, c'était la tier list. Sauf que, en fait, j'ai des potes qui sont routiers, j'ai des potes qui passent des VRP, qui passent leur vie en bagnole. Et en fait, Bouygues, bah. T'apprendras que dans le monde du VRP ou du routier, c'est conseillé, parce que en fait, ils Non captent mais vraiment partout. Bouygues, tu captes peut-être pas dans toutes les salles et tout, mais en vrai je m'en bats les couilles. Genre juste j'ai pas envie de payer 26 balles pour 10 gigas par Ah mois. non, 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 je te jure que Bouygues, normalement, tu captes vraiment quasiment partout. Hein. C'est Ouais mais un même testament. si je capte pas un ou deux dans deux endroits, tu vois, je m'en fous en fait. Ouais, t'en Genre es plus à juste ce point-là, quoi. 12 balles en moins par mois Alors, du coup. pour 10 fois plus de gigas internet, c'est On a Metaloman qui pleure avec une musique de piano parce qu'il dit demain c'est la dernière du confinement, mais pourquoi? Alors je te rassure, déjà c'est pas la dernière parce qu'on a dit que ce sera certainement lundi ou peut-être mardi. On verra selon ce qu'on a à vous proposer parce qu'on aimerait bien finir en beauté avec une En groupe, fait, la on va dernière, ce voir. sera quand le groupe va venir, quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà, t'as tout. Voilà, merci pour la surprise. Non, mais Je... tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission. Donc, Non, j'ai dit que j'avais un groupe qui m'avait contacté. J'ai pas dit que c'était un groupe qui allait venir. Là, si, J'ai t'as dit que dit j'avais qu'il un y avait un groupe. groupe surprise qui allait venir. Du coup, je le redis. Bon. Je redis ce que tu m'as Bon. dit. Non, bah, je suis fatigué alors, j'ai rien compris. Mais du coup, voilà, ça va dépendre de quoi il va venir. Ça va dépendre de. Mais si jamais après on nous propose un truc de ouf pour finir encore plus en beauté, je pense que je dirais pas non, tu vois. Donc, on va essayer de finir en beauté. Là, tout simplement, histoire de finir ça. Mais de toute manière, après le confinement, avec Clément, on va aussi. Retravailler sur une émission qu'on pourrait faire le mardi, qui serait de la découverte de nouveaux clips et du papotage en direct. Par exemple, bah, t'as ton concert, t'as envie d'en faire une petite pub, ou tu vas à un concert mais t'as pas ta place, t'as pas de quoi dormir. Bon, bah, ça va être le but du jeu, c'est de se parler et de se filer un coup de main, parce qu'on a vu que la quotidienne était vachement cool pour ça, et on veut un peu pousser le délire un peu plus loin. Et puis, c'est une. Hein? Metalomane qui dit on finit en beauté, on fait un direct de la tour Eiffel. Ah si seulement on pouvait, ça me ferait triper, ça serait dégueulasse avec le son et compagnie, avec le vent, mais moi je suis en train de me chier dessus parce que j'ai la peur du vide, mais Ah, il y a des salles quand même dans la tour Eiffel. Non mais même, moi je Tour Eiffel, j'ai essayé, un premier étage je me sens pas bien, deuxième étage, j'ai la tête qui tourne. C'est même pas une question qu'il y ait une salle ou pas, c'est une question qu'on est déjà trop haut pour moi et que mon corps il m'indique que c'est pas une situation normale, qu'il faudrait que je redescende et que je pose les pieds par terre, tu vois, c'est autre chose. Mais Ouais. d'ailleurs, Tour Eiffel, petit truc drôle, enfin drôle et pas drôle. Alors comment il s'appelle ce journaliste qu'on peut plus blairer, Clément? Enfin, c'est plus un journaliste, c'est pour ça d'ailleurs qu'il connaît plus rien au monde. Ah merde, c'est la blague récurrente. Manœuvre, Philippe Manœuvre. Il faut savoir que la Tour Eiffel a connu Philippe Manœuvre à Oh, moitié nu. d'abord. Non, 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 c'est Philippe Manœuvre. Il avait fait chier les Strangler il y a des années pour absolument avoir D'ailleurs, leur Janice des interview. Stranglers qui est décédée il y a 2-3 jours Ben voilà, du justement, Covid. j'allais y venir. Le chanteur nous a quittés il y a maintenant un peu plus de 6 mois, et là, c'est le claviériste qui est mort. Donc, les Strangler, c'est fini, c'est triste. Quand même un sacré groupe de punk qui aura clairement aidé le monde punk à survivre et à grandir. Mais du coup. Il les avait fait chier, fait chier, fait chier. Ils l'ont invité sur le premier étage de la tour Eiffel, l'ont attaché à un poteau, l'ont foutu, ont baissé son froc et son slip et se sont barrés.
Donc maintenant, la prochaine fois que vous irez à la tour Eiffel et que vous verrez ce premier étage, imaginez qu'il y en a un là-haut qui s'est pelé les couilles pendant 20 minutes en attendant d'être détaché. Voilà, c'est petit, excellent. Petit fait historique qui, moi, me fera mourir de rire à chaque fois que je verrai la tour Eiffel de loin. Et je pense que je ne peux plus monter au premier étage parce que je serai pris de soubresaut à crever de rire comme un connard. Mais voilà, les Stranglers, merci pour ce petit souvenir. Je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit panneau avec écrit ici, cet homme a été dépoilé, tu vois. C'était assez ouf. Les Stranglers, qui étaient interdits de diff en France à l'époque. Mais clairement, ils étaient interdits en France. Ils n'ont pas été interdits partout. Mais ils sont quand même revenus hein, quelques années après. Et je le sais parce que j'ai un pote qui est très très fan d'eux. Et c'était dans la mort dans l'âme qui m'a annoncé la mort du chanteur. Il était vraiment triste. Voilà, je pense que là, il ne doit plus s'en remettre parce qu'il sait que les Stranglers, c'est fini. Mais ils ont quand même signé en beauté parce que juste... Ouais, mais ils ont quand même signé en beauté parce que juste avant que le claviériste meure... Ils étaient en tournée dans toute l'Angleterre. Donc, sachant un peu l'amour qu'ils avaient pour l'Angleterre, voilà. Ils ont fini en beauté. Mais c'est triste comme Noël. Mais on en reparlera un peu vendredi, je pense. Donc, voilà. Saleté de Covid, protégez-vous, c'est pas une connerie. Du coup, j'ai quand même une petite. Je voulais vous mettre un clip et j'ai une bonne nouvelle pour ça. Clément, si je te dis Perséide. Ouais, j'aime bien. Ah, c'est un groupe qui a fait l'unanimité chez vous. On vous l'a fait découvrir dans une quotidienne et tout de suite vous avez. C'est un des premiers clips qu'on a passé. Hein. Bah, c'est le premier clip d'ailleurs qu'on a passé. Ouais. Et parce qu'au début on n'avait pas leur titre. Donc on vous l'a fait découvrir avec un clip et il a plu tout de suite. Et après on a réussi à avoir le titre par Perséide. Je crois qu'ils ont un ou deux titres, c'est pas des masses. Mais ils nous avaient dit on travaille sur quelque chose. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en train de faire. Il y a un album qui sort bientôt. Voilà, je vous le dis, c'est cadeau, oh, surprise. Cool. Et. Comme on s'entend bien avec Domino Media qui s'occupe de Perséide, ce matin, ils m'ont envoyé un petit mail en disant « Au fait, si tu veux un petit aperçu de l'album, bah voici un clip. » Donc, voilà. J'adore bosser dans cette radio juste pour ça, pour se dire « Ah, je peux découvrir un peu en avance le truc. » Donc là, je vais vous passer un clip. C'est tout simplement un des morceaux de l'album. Hein ? On a le droit de le passer ? Oui. Ah oui, parce qu'il m'a été envoyé et c'est un lien privé, donc c'est pas un souci en fait. Mais ça se trouve, c'est juste pour nous. On a juste le droit de le regarder, nous. Non, parce que Domino Media, quand je leur dis ça vous dérange si je le diffuse, c'est non, il n'y a pas de souci. Domino Media, quand il m'envoie quelque chose, c'est pour le diffuser. Et de toute manière, maintenant, depuis le temps qu'on popote avec lui, maintenant, je discute directement avec le directeur général. Donc, non, si c'est lui qui me l'envoie, c'est que c'est bon. C'est l'avantage avec Domino Media. J'aime bien le coup de... Au début, on parlait au gars qui s'occupait du service... communication, ensuite on redémonte un peu, et un jour avec Clément on a vu un mail avec écrit signé directeur général Domino Media, on a fait ah bon on est peinard maintenant, c'est plutôt tranquille. Donc voilà, je vais vous faire péter ce clip, vous allez pouvoir en profiter, le nouvel album de Perséide arrive, et ça va être un petit goût en avant-première juste pour vous, parce que je pense que d'après Domino Media, il n'y en a pas beaucoup qui doivent bosser avec eux en France, et donc c'est un gros kiff en fait, tout simplement. Et Clément, est-ce que tu peux bouger le fréquence métal un peu plus haut, ou est-ce qu'il faut que je le fasse ? Il y a moyen. Tu payes combien ? Rien du tout. Je te paye un clip en avant-première. Ouais, mais j'ai déjà vu, du coup, moi. Celui-là, non ? Bah si, c'était dans les mails. Ah oui, mais t'aurais pu jouer la secrète. En fait. Ah bon, c'est nouveau ? Oh là là ! L'année prochaine, je le... Et j'embauche Philippe Manœuvre. Excuse-moi, j'avais déjà le truc. Tu peux redire ta phrase, hein. Ah, j'ai dit l'année prochaine, je te vire et j'embauche Philippe Manœuvre. Allez, ouais, on balance le clip. Ouais, c'est ça, ouais.
Yes. Et on est de retour, voilà. Alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat? Est-ce que vous avez kiffé? Moi, franchement, je trouve que on avait un avis différent sur le coup, mais c'est cool. Moi, j'ai bien aimé. Ça, c'est cool, c'est détendu. C'est vraiment le petit morceau que je me passerai, tu sais, une fois que tu rentres du boulot, que t'as eu une bonne journée bien fatigante ou bien de merde. Le petit morceau que tu te mets en mode pépouze et genre limite le morceau que je me mets sous la douche. Par contre, il y a un petit côté, je trouve, clavier électro des années 80. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais sur les solos, t'as l'impression que c'est vraiment les années 80 en mode néon, fluo et compagnie. Et du coup, j'aime bien, ça me fait marrer, c'est un truc qui me manque un peu des fois. Mais qu'on peut retrouver aussi dans d'autres groupes comme Street of Rage... Midnight Street of Rage, ouais, je vais y arriver. Donc voilà. Voilà ce que j'en pense. Moi, je trouve ça plutôt cool. Du coup, Clément, t'as aimé ou pas? Ah, je suis un peu du même avis que Birdied. Ouais. C'est pas mal, c'est sympa, mais il manque un truc, tu vois. Dans les autres clips, c'était plus punchy, c'était plus abouti, c'était bien mieux, je trouve. Après, faut voir, c'est que du c'est coup, juste un l'album. Titre. Voilà, c'est un titre pour l'album. Ça se trouve, ils ont mis en avant le titre le plus calme, hein. Le nombre de fois où c'est arrivé où la boîte de prod te dit « Ah, c'est cette musique qu'il faut mettre en avant !» Et puis tu te rends compte qu'en fait, dans l'album, bah non, c'est la plus merdique. Et que le groupe en voulait une. Il y a notamment, je crois que c'est Queen qui avait fait ça, qui avait changé sur Jonathan Bohemian Rhapsody en disant que c'était la chanson qu'il devait défendre de l'album. Le producteur avait dit « Niet, c'est mort, c'est la plus pourrie ». Et puis en fait, bon bah voilà, finalement ils ont quand même, c'est quand même la chanson qui a été défendue par Queen et on connaît le succès qu'elle a eu maintenant. Donc faut voir pour le reste de l'album. Mais moi je vais rester positif. Franchement, celle-là je l'aime bien. C'est sympa, c'est cool. Je te dis, je préfère l'autre, la Perseide, je sais plus, le premier qu'on avait passé, le clip là en bleu. Ouais, je vois lesquels tu veux dire. Mais effectivement, vénère. elle est plus vénère, elle est plus péchue. Mais par contre, moi je reste dans l'optique aussi que c'est un groupe débutant. Et s'ils sont capables de faire du violent comme ils avaient fait avant et du calme comme ils ont fait là, ça veut dire qu'ils sont très, quand même très très loin d'être mauvais. Faut aussi rendre. Ouais. Voilà. Alors. Il y a Bernie qui nous disait je capte pas chez Bouygues, mais je reste pour le prix. Et il est dans le 93, il capte pas dans le 93. En fait, moi, Orange, je trouve ça extrêmement cher pour ce qu'ils te proposent. Et l'avantage de Bouygues, là, du forfait que j'ai pris, c'est que c'est un... Je pense que t'as certainement le même. C'est un sans engagement. Du coup, en fait, si genre dans 6 mois, je veux me barrer, je me barre et je vais chez quelqu'un d'autre, quoi. Après, les gens peuvent dire... Moi, à l'époque, on m'a dit « Ouais, mais tu sais, il y a Free. » D'ailleurs, il y a Shuki qui nous dit que Free se connecte sur d'autres antennes quand t'as pas de réseau. Ouais, mais alors Free, moi, j'y suis depuis des années. Je suis content pour la Bobox, parce que là, je suis passé d'une box normale à la fibre 1 giga et ça m'a rien coûté, c'est cool. J'ai connu Freak depuis ses débuts, mais niveau portable, mais c'est une merde. Mon frère est chez Free, mais non, mais il y a des coins dans Paris où je suis pas en 4G. Est-ce que vraiment c'est possible? Je te jure, je suis en plein milieu de Paris et je vois 3G et je suis même pas les barres au complet. Et là, tu fais. C'est passé quoi? Et je vous parle même pas de Paris loin, hein. Je parle Gare de Lyon, tu vois. Gare de Lyon, je capte pas à fond, t'es là, tu... Qu'est-ce qui se passe? Je sais que Free a des gros problèmes. Bah en fait, Free, le problème, c'est que quand les autres réseaux se sont montés, l'État a aidé à monter toutes les antennes. Donc très vite, ça s'est développé. Voilà, quand Free est arrivé, l'État aidait plus à ça, donc il a voulu remonter ses antennes, sauf que on est arrivé dans le moment où, tu sais, les antennes, on disait « Ouais, mais c'est mauvais pour la santé ». Du coup, ils ont dû à moitié racheter ou louer d'autres antennes. Et je pense qu'ils ont dû se prendre la tronche avec tout le monde. Parce que moi, Free, mais ça capte pas. C'est une horreur. Hein. Ça a du mal. Hein. Alors, Free, c'est le seul opérateur chez qui j'ai été ou je n'ai jamais eu aucun problème. Mais c'était il y a plusieurs années et c'est pas dans Paris. Oh non, mais je dis pas. En fait, ils sont pas trop mal. Et encore, tu sais quoi, je vais même faire un cadeau à Free. C'est-à-dire que je trouve que depuis des années... ils se sont améliorés. Dans le sens, avant, au tout début, Free, t'avais aucun service après-vente. Mais vraiment, c'est-à-dire que t'étais dans la merde avec ta box, t'étais dans la merde, même avant le forfait mobile, il n'y avait personne pour t'aider. C'était des merde-toi. Les premières Freebox, c'était bidouille et des merde-toi. Et petit à petit, c'est venu. Maintenant, pour vous donner un peu l'exemple de l'évolution, l'autre jour, j'essaye de contacter Free pour améliorer ma box pour que je puisse continuer à faire l'émission radio. Quand j'ai voulu les contacter, on me dit le téléphone s'est surchargé,
On me dit par mail, ça va vous prendre 30 ans. Par contre, si vous êtes un abonné free, cliquez sur ce lien. Tu cliques sur ce lien, ça t'envoie juste sur un truc de face to cam, cam to cam, où tu parles directement au mec, je lui ai exposé mon problème, en 5 minutes, il a compris, il a tout réglé. Donc, il y a des choses sur lesquelles ils se sont améliorés. Mais de free, t'as des zones de... Alors, ils te disent on a du réseau partout, parce qu'effectivement, t'as la 3G. Mais si t'es comme moi et que t'aimes bien écouter ta musique sans arrêt et qu'il te faut la 4G, oh là, des trous de réseau, mais c'est violent, quoi. C'est assez violent. Mais à part ça, ils proposent des trucs comme super cool. J'ai dit, regardais les maps des antennes relais de chaque opérateur avant de choisir. Et Bouygues, c'est celui qu'on a le plus. Hein. T'as Orange, forcément, qui est en premier. Après, t'as Bouygues, t'as SFR et Free, mais c'est un délire, c'est rouge partout autour de chez moi. D'ailleurs, un petit truc que je tiens de la part d'un mec qui bossait chez Free, niveau Internet, si t'es éligible à la Free, enfin, à la fibre, regarde si t'es éligible aussi chez Bouygues, parce que niveau serveur, Bouygues, c'est les plus violents. Là où Free va avoir des cartes 4G dans les serveurs, que Orange a la même, Bouygues, ils sont en avance, ils font des recherches, ils sont déjà en carte 7G. Ça veut dire que leurs serveurs sont ultra violents et que normalement une connexion internet Bouygues, elle écrase tout le monde. Donc moi j'attends que tout ça se finisse, là, ce bordel, et je pense que je vais peut-être aller voir chez Bouygues s'ils peuvent me faire une meilleure connexion. Il faut que je recape, en même temps avant il faut que je recape ma maison parce que il faut que je repasse des câbles dans les murs. Mais c'est assez ouf de voir que t'as des entreprises qui ont comme ça changé assez violemment en peu de temps, quoi. C'est une spéciale opérateur téléphonique, toi. Écoute, c'est le sujet qui est tombé, c'est comme ça. T'avais qu'à pas te plaindre de pas capter. Spéciale de quoi on parle dans le chat. aujourd'hui, la journée, elle est pas joyeuse. Pour ça que je l'ai pas dit, parce que c'est la journée mondiale des orphelins du SIDA. Du coup, des semaines qu'on vous dit. Voilà, ça fait des semaines qu'on vous dit protégez-vous pour le coronavirus, mais bon, protégez-vous aussi pour le reste. Hein. C'est pas joyeux. Mais voilà. La journée de merde. Ouais, mais bon, c'est triste. Voilà. Demain, c'est la journée motorhead, donc ce sera cool. Alors, une petite chanson de devinette, une chansonnette, ça te tente ou pas, Clément? Alors, je sais pas, ça me fait chier tes trucs. Non, vas-y. Et va te faire foutre, quoi. Qu'est-ce qui me parle, le mec qui a pas de connexion, là? Tu te tais. Non, vas-y, carrément, vas-y, roule. Est-ce que t'as déjà vu du real talk dans une chanson? Oui, c'est-à-dire genre quelqu'un qui dénonce un vrai truc et qui t'en met plein la gueule dans une chanson gratuite. Oh bah oui, dans plein de chansons. Est-ce que t'as déjà vu ça dans un groupe féminin? Ouais. Justement, tu vas peut-être pouvoir trouver alors celui-là. Du coup, ça parle comme ça. En fait, c'est plus ni moins qu'une chanteuse qui doit prendre la tronche à son manager et assez violemment. Ça commence comme ça. On me dit que je suis une bonne fille. Pas sûr que je le sois sincèrement. Pendant des années, j'ai dû leur mentir. J'ai vendu ma vie, mes gosses et ma conscience pour le rock, le sexe, les nuits tardives et l'alcool. Suis-je une mauvaise femme? Suis-je trop vieille pour ça? Je suis juste une femme dans un groupe de rock. Je ne suis pas du genre à perdre du temps à me vernir les ongles comme tu le penses. Je vis du rock, je joue, je tourne, je vis un rêve et pas toi, pauvre con. Mais je ne t'entends déjà plus, car désolé, nous jouons beaucoup trop fort pour entendre ta gueule de jaloux. Ah, c'est les journées de la radio en Russie. Bah cool. Mais c'est con, on n'est pas en Russie, on aurait pu fêter ça dignement. Alors, est-ce que tu vois à peu près qui c'est? Elle est un peu plus compliquée, celle-là. Est-ce que quelqu'un a trouvé la chanson? Billette. Ah, toi aussi, tu t'es fait insulter sur les premiers Call of Duty sous Cobliette. Non, il y a un gros indice quand même, que je t'ai collé en plein milieu. ACDC, non, bâtard. Non, c'est pas toujours ACDC, Metaloman, tu es mauvaise langue. La prochaine fois, il faudra que tu suives un peu plus l'actu. Voilà. Je sais pas, The Distiller. Nope. Un groupe 100% féminin. Bah oui, bah c'est un groupe 100% féminin. À la limite du quepon. All. Non. Ah putain, je suis content. Celle-là, vous l'avez pas trouvé du premier coup. Et pourtant, il y a. Crucifié de Barbara. Non, je sais pas. Mais oui, c'est ça. C'est Crucifié de Barbara pour. Hey. Si, c'est ça. C'est la chanson I Sell My Kid for Rock'n'Roll. Ouais, voilà. Parce que.
Parce qu'elle est retombée dans ma playlist il n'y a pas longtemps. Et bah d'habitude, quand je bosse, tu sais, je fais pas gaffe aux paroles. J'écoute sur le coup, je remue la tête et je suis content. Et en fait, j'ai accroché sur le truc du milieu qui dit « J'ai vendu ma vie, mes gosses, ma conscience pour le rock, le sexe et les nuits tardives à la coffre. Suis-je une mauvaise passe? Suis-je trop vieille pour ça? Je suis juste une femme dans un groupe. » Et en fait, je sais pas, il m'est revenu, tu sais, de l'émission des clichés, en fait. Et là, j'ai fait « Oh, elle est pas en train de régler ses comptes en direct !» Du coup, je suis allé voir, j'ai regardé un truc et j'ai fait « Ah ouais, elle est clairement en train de régler ses comptes. » Alors, je sais pas si elle parlait Mais à t'as son producteur. Ouais. le mec qui nous dit Christopher et Barbara, 5 personnes, 18 bouteilles demandées sur la fiche tech. Ouais, non, mais elles sont connues pour ça. C'est justement, elle le dit, hein. Est-ce que je suis une gentille fille? Je ne pense pas. Effectivement, quand tu connais les cinq nanas. Non, c'est clairement le genre de nana que tu vas prendre un apéro avec elle, tu finis en état comateux et elle continue sans toi. Mais justement, en fait, je trouve qu'elle démontait un peu les clichés, mais pas un peu, mais genre beaucoup. Et je sais pas pour qui était dédiée cette chanson, mais le mec se prend une sévère claque dans la tronche. En trois couplets, c'est réglé, quoi. C'est merci, casse-toi, t'es qu'un merdeux, tu vis pas tes rêves, va chier, quoi. Et c'est assez Alors ouf. du coup, Chucky qui nous dit c'est important de s'hydrater. Oui, bah oui, très important. Mais t'as le Surtout mec qui quand nous t'es dit je sur leur avais scène. gratté, je leur avais gratté tous leurs monsters vu qu'elles étaient sponsors. Ouais, bien joué. Ah, par contre, je suis jaloux. Si tu les as rencontrés, je suis jaloux parce que c'est un groupe que j'aime bien et que j'ai eu la chance de voir en live. Du coup, ça m'avait fait marrer. Je suis un crevard. Mais non, si elles sont sponsors, ça va. T'as juste profité d'une chanson. Tant que tu viens pas sur le direct et nous dire cette émission est sponsorisée parce que toi, t'es sponsorisé, là, ça ferait crevard. Mais voilà. Mais non, je trouvais ça marrant, tu sais, le petit règlement de compte par une chanson. C'est arrivé plusieurs fois dans le rock, mais celui-là, je le trouvais vachement beau en mode bah non, j'ai pas besoin d'être maman, j'ai pas besoin d'être une gentille fille, je vous emmerde, je suis ce que je veux, et voilà, allez chier. Et ça m'avait fait plutôt marrer, voilà. Je les ai fait deux fois trop. T'as une mauvaise ex expérience, Metal Man, avec. Oh, dis-nous. Moi, je les ai fait qu'une fois, donc c'est peut-être pour ça. On va attendre le chat comme ça, ou je pense qu'il écrit? Ou il essaie de se Ouais. connecter. On attend le chat. On ne parle plus jusqu'à le temps qu'on n'ait pas de Voilà. réponse. Bah non, mais T'es juste. musicalement, il n'y a rien. On a déjà parlé. Ah oui, ça. Bah ça dépend en fait, ça dépend des goûts. Moi je sais que leurs chansons. Bah après c'est peut-être. Je tombe peut-être toujours sur les Franchement, mêmes. je Voilà. suis pas Ah, ça archi fan de ce groupe, mais ça va, hein. Il y a des albums, ils sont pas. C'est pas dégueu, ça se laisse écouter, quoi. ouais, c'est ça, c'est un groupe. Ce que j'appelle un groupe playlist. Ça passe dans ta playlist, tu secoues la tête, c'est bien, ça continue. C'est pas non plus mon groupe préféré. Et pareil, même niveau chanteuse, il y a des chanteuses que je trouve bien plus douées que la chanteuse de Pussyfête Barbara. Mais elles sont assez cool, ça passe. Moi, j'aime bien en tout cas. Après, chacun ses goûts, hein, les goûts, les couleurs. On pourra en parler pendant des heures. Du coup, est-ce qu'on leur remet un clip? Qu'est-ce qu'on fait, mon petit Clément? Ou est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Non, vas-y, balance un clip. Enfin, Alors, je sais le pas, prochain si tu veux clip, faire un. c'est une petite découverte que j'ai eue grâce à quelqu'un du chat qui est très 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 fan de ce groupe. Et je me suis dit, bah écoute, quitte à le découvrir, on va aussi lui faire plaisir aujourd'hui. Enfin, voilà, ça s'appelle Arch et on va écouter non, Under the Sun. Non, Under the Los Angeles Sun, pardon, j'ai vraiment du mal à lire, j'ai mes yeux qui buguent aujourd'hui, c'est une horreur. Du coup, voilà, vous allez voir, c'est un peu plus cool, un peu plus chill. Mais voilà, on a Chouki qui a pété un plomb. Voilà, c'était pour toi, Chouki. Il n'y a pas Et Yuzu. Ah ouais. ah, ben, Et tu puis on passe le joues. plus tard. Ah, mais non, parce que l'autre, après, c'était un truc super chill que j'avais trouvé. Bon, écoute, on va se passer un autre son, c'est pas grave. On va attendre Yuzu. On est gentil avec le chat. Ah, et si t'as Nounours Barbu qui a une idée de chanson, écoute, n'hésite pas non plus, on est preneur. Un Dead Bond Bunny, ça te tente ou pas? Parce que je sais qu'ils sont en train de nous préparer une surprise dans pas longtemps. Ouais, vas-y, 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 pourquoi pas. Alors, monte le truc et on va se faire péter un Dance or Paradise. To find another time.
Pardon, j'ai coupé mon micro en fait, le mec pas doué. Voilà, Dead Bone Bunny, du coup, ils ont une petite surprise en stock. J'ai l'impression que pendant le confinement, ils nous ont préparé peut-être une chanson ou un EP. Et j'ai pas été les embêter, parce que j'ai juste suivi les réseaux, mais j'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont nous faire. Parce que ça me fait chier. Normalement, on devait les voir en concert et en festival, et on peut pas à cause du corona de merde. J'ai la rage à ce niveau-là. Bon, on verra d'autres groupes. C'est pas grave. De toute façon, je suis sous-côté, moi. Mais non, monsieur, si on t'embête, Metaloman, c'est parce qu'on t'aime bien. En vrai, ça nous fait marrer quand après tu viens foutre le bordel en direct avec ton piano. Forcément qu'on veut... On va te taquiner un peu, on va te faire chier. Mais ça, c'est parce que t'as pas fait la deuxième du 77 avant la fin du confinement, c'est pour ça. On va se venger tous les jours après. Merazer, pour ses futurs badges de sub, pardon. Salut Yuzu, je pense que tu t'es gouré, t'as tapé sur la mauvaise chaîne Yuzu. Ah, il est comme ça avec un message qui veut rien dire. Hey, il a nous. Oui, j'ai entendu que notre collègue, notre confrère, on va dire, Merazer, avait ça y est fait ses badges et tout et tout. Donc c'est cool, nous c'est pareil, c'est en cours, on attend que ce soit validé. C'est bientôt, vous aurez des petits nounours pour le chat, ça nous fait assez marrer. Et on espère pouvoir un jour emmerder d'autres gens pour en fabriquer plus. Mais du coup, Yuzu, oui, on t'attendait parce qu'on avait une surprise pour toi. Alors, une chanson, Wild Run from... Wow, bah écoute, je vais demander à Clément de garder 5 minutes, on va dire, le live, pendant que je copie-colle et que je retrouve ce clip. T'es prêt, Clément ? Bah, celui que vient de nous proposer Nounours Barbu. Je l'appelle Nounours Barbu, je préfère. C'est encore plus mignon, tu vois. C'est chouchou et tous acides. On m'a pas dit... Qui en plus c'était limité en temps, alors j'ai paniqué. Mais qui t'a dit de faire ça déjà? Enfin, je comprends pas en fait. De venir? Non mais de... J'ai lu su c'est moi. Quoi? T'es en train de partir en... Alors, les Lupio, là va falloir répondre et tranquillement, sinon je vous jure que nous on va partir en couille. Excusez-moi, mais Yuzu est sous acide. Ah d'accord, c'est là. Ouais, okay. Qui t'a dit de faire une dédicace et Bon, en vrai, c'est marrant, c'est cool, mais... On l'a dit, dédicace, et j'ai dédicacé. Ben, c'est Merazer qui t'a demandé de dédicacer. Moi, je t'ai demandé de te connecter, parce qu'on avait une surprise pour toi. Je t'ai pas demandé de dédicacer. Donc, il va falloir nous expliquer. Ben, je me connecte, il y a un truc qui apparaît. Mais oui, non, mais parce que t'as cliqué sur les bulles de chaîne. D'accord. En fait, c'est le truc tu de bulles de chaîne. Tu peux faire une dédicace, tu peux choisir un émote, ou tu peux mettre ton message en avant. D'accord, en fait c'est la bulle de chaîne Gérard qui lui a dit dépense tes points que t'as gagné sur la chaîne et elle s'est dit ah oh, putain c'est pour mes Razer et en fait non, t'étais pas obligé, tu pouvais dire. Ouais, parce que je l'ai mis, les dédicaces, je les ai mises avant-hier, c'est un nouveau truc qui était disponible sur la chaîne et je les ai activés. Ça marche comment d'ailleurs? Explique-nous un peu, Père Castor. Bah en bas, en dessous du chat là t'as des points de chaîne. Ouais. Pour l'instant c'est un petit rond avec une bulle là-bas, la dédicace utilisée par Metaloman, Yuzu, machin. Ouais. Et tu cliques dessus et puis tu choisis après ce que tu veux faire. Et ça te coûte un certain nombre de bulles. Ouais, mais les bulles qui sont gratuites parce que tu passes du temps sur la chaîne, c'est ça? C'est ça, tu gagnes des bulles en marquant des trucs dans le chat et en étant actif. Et du coup, ça met ton message en tout premier, en haut, un truc dans le genre, c'est ça? Bah, ça le met en avant, tu vois, ça marqué dédicace utilisée par machin. Et donc, normalement Yuzu, sur ce stream-là, il faudra qu'on mette un truc qui popera sur l'écran, mais pour l'instant on l'a pas fait. Bah on va attendre, nous franchement on va attendre le déconfinement et après l'émission certainement du mardi et du vendredi vont s'améliorer parce qu'on a plusieurs choses à faire ensemble. Hein. Il va falloir qu'on retouche le Streamlab, il va falloir qu'on, qu'on retouche deux Streamlab. Il faut qu'on revoie toute notre base MP3 et on va relancer une vague aussi pour aller chercher de nouveaux groupes. Parce qu'on a peut-être trouvé un moyen plus facile pour eux de nous rejoindre, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'ils signent une tonne de papier, les pauvres, et ça me fait chier. Mais je pense qu'il va falloir qu'on relance pas mal pour de gens qu'on passe sans papier, et d'autres qui puissent avoir ce papier 10 fois plus simple à faire et nous rejoindre dans la playlist. Mais du coup, attendez-vous à que quand le déconfinement sonne, la playlist sur le site change,
voire ouais, augmente. mais Yuzu, c'est normal. Quand t'es arrivé, c'est normal que... Pardon, je te coupe. Excuse-moi, je t'ai coupé peut-être. Non, J'ai mais pas c'est pas entendu. grave, j'ai compris, il n'y a aucun respect de ta part. Vas-y, J'ai je pas t'en entendu, prie. ça a coupé. Je pensais que tu parlais plus. Mais t'entends rien, mon gars, faut te soigner. Ah ouais, mais j'y peux rien! Ouais, petit con, va. La quotidienne 2350e, espèce de petit con. Les mecs vieux. Non, donc je disais juste, la playlist avait augmenté, on va essayer de préparer l'émission du mardi. On va peut-être se prendre un petit repos aussi en attendant, mais on va faire évoluer clairement la chaîne Twitch, la playlist. Et normalement, la chaîne Facebook est déjà, la page Facebook est déjà en train de changer, mais on va proposer d'autres choses dessus. Donc on attend le déconfinement, petites vacances, et après on se met à fond. Du coup, tu disais pour Yuzu. Parce qu'elle disait non, je suis arrivé en bas, c'était en bas, j'ai pas cliqué sur les bulles. Oui, c'est normal, c'est parce que c'est nouveau, c'est une nouveauté, donc ça te met un message pour t'indiquer que c'est nouveau. D'accord, et en fait, ils sont en train d'utiliser ça pour se vanner maintenant. Voilà. Metaloman est bon. Du coup, je vais les désactiver. Je pense que c'était une connerie. Non, non, mais écoute, c'est. Non, mais moi j'aime bien ce petit côté bulle. Alors moi, je regarde, j'ai 27 000 points. Faudrait peut-être qu'un jour je les utilise sur Fréquence Métal. Mais j'aime bien aller faire chier Metaloman. Pas Metaloman, mais. Parce qu'il fait plus d'émissions sur sa chaîne. Mais j'aime bien aller voir Mayraser. Et des fois, tu sais, juste pas quand il fait un live et que j'ai pas le temps. Prends quand même le temps de me connecter, d'aller lui faire un coucou, et j'aime bien utiliser ça pour lui mettre un gros coucou dans son chat bien visible, bien sale. Ça le fait mourir de rire, il est content. Et puis après, je lui souhaite une bonne soirée, et puis je vais faire ce que j'ai à faire. Mais non, je trouve ça mignon. Ce système de petites bulles, je trouve ça que c'est cool parce que ceux qui n'ont pas envie de payer tous les mois, ça leur permet quand même, quand ils sont présents et actifs, d'avoir des petits cadeaux. Ça va vous débloquer aussi des petits badges, des petits machins, Ça reste temporaire, hein. C'est Des pas. petits gifs, voilà. Ça reste une Mais semaine, c'est. je crois. Ouais, c'est ça, mais c'est pas grave, tu t'en fous. Tu sais, tu leur mets le nounours à, je sais pas, 300 points ou 400 points. Dès qu'ils en ont 400, ils gagnent un dessin nounours pendant une semaine, ils l'utilisent pendant une semaine, ils ont peut-être le temps en une semaine de se refaire 400 points. Donc, je trouve ça cool qu'il y ait quand même une interaction et des petits cadeaux pour les gens qui sont présents sans forcément qu'on ait envie de payer. Je pense à des gens, tu vois, comme par exemple Lily, qui est là depuis le début. Mais qui est une des plus sages du chat parce qu'elle est toujours en train de faire son sport ou sa cuisine à côté, mais qu'elle est là à chaque émission. Ça lui permettra que si elle a un message à donner, bah soit elle mette en valeur, soit elle puisse avoir ses petits punkies. Enfin, tu vois, ça paraît con, mais je trouve que. Comment dire. Twitch est en train d'évoluer dans une manière que j'aime quand même plutôt bien. Ils prennent vraiment soin du chat, en fait, et ça, j'aime beaucoup. Du coup, il y a Shuki qui nous dit, j'ai vu Panky dans les bulles, mais il n'est pas dans le secteur des émoticônes. Normal. Il y a les images, parce que j'ai préparé les trucs. C'est juste pour les émotes, il faut que ça soit validé par Twitch. C'est ça. On peut pas encore. Une fois que c'est validé, c'est bon. T'as Nounours Barbu qui fait, mais quelle dissidence! Ah, mais notre chat est toujours un bordel dissident, toujours le même. Mais on l'aime comme ça. Si tu viens plus souvent, je te conseille de venir aussi le vendredi quand on fait l'émission de 3h. Il y a des fois, on parle d'un sujet bien métal, d'une quotidienne ou d'un truc en particulier, ou même quand on a des invités, hein, on parle avec les invités. Et à côté, le chat parle totalement de n'importe quoi. Ça parle de bouffe, ça parle de. Enfin, souvent de bouffe d'ailleurs. C'est Pas une sur la dissidence. bouffe, mon Dieu. Ah ouais, mais c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais c'est Oui, on justement, sait c'est que le t'aimes la bonheur de bouffe. Twitch. On sait que t'aimes la Mais bouffe, non! Tu es en train de me traiter de gros? Tu es grossophobe? Tu as aimé Tour 3, c'est ça? mais... Non, non, mais justement, c'est ce qui fait tout le bonheur de Twitch. C'est que tu es en train de faire ton émission sérieusement, tu lis deux, trois commentaires sérieux qui te posent des vraies questions, et à côté de ça, tu as un bordel ambiant où tu as une espèce de grosse famille qui s'est créée et qui fout un bordel. Tu sais, c'est un peu comme un repas de famille. Tu vas parler avec ton cousin qui est en face, mais à côté de toi, tu as un bordel immonde, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Et c'est justement le putain de plaisir. Le gras, c'est la vie. Ouais, non, mais je suis carrément d'accord avec toi. Le gras, c'est la vie. Bon, après, il faut faire gaffe, hein, parce que ça peut quand même aller très très mal. Mais on va pas être bégueule, hein. La plupart d'entre nous vont craquer face à une bonne raclette. Voilà. Même en plein été, c'est pas un Oh, j'ai fait souci. une tartiflette hier soir. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Voilà. Voilà, En si on commence à septembre. parler de bouffe. Alors, en septembre, un chat, là, si je peux m'inscrire pour l'année prochaine, donc tu vas devoir me supporter. Tu veux t'inscrire pour l'année prochaine? What?
J'inscris un quoi au chat, mais tu sais que le chat il est ouvert tout le temps, t'as pas besoin de En t'inscrire. période de confinement, prenez soin de votre chat. Mais qu'est-ce que tu racontes, Metaloman? Mais oui, C'est de toi votre qui es sous chat. acide. C'est toi qui es sous acide ce matin. Il a oublié le T devant le chat, il s'est tombé. Mais en plus, j'ai pas compris son message. Mais non, le chat, c'est ce qui est en train de défiler, imbécile. T'es en train de dire de la merde. Le monde qui dit moi non plus, moi non plus. Non, mais personne l'a compris. Non, mais non, non, moi je disais que Twitch prenait soin des gens qui regardent en justement améliorant ça s'appelle un chat. Je suis désolé, mais là où vous parlez, que ça défile. Je sais pas pourquoi ils ont appelé un chat d'ailleurs. Ils auraient dû trouver un autre nom en français. Ah, Inch'Allah, mais ouais, mais Inch'Allah, ouais, mais c'était tellement. Si je me suis douté, mais c'était un peu border quand même, pour comprendre. Ah, moi, avec mes yeux, j'ai du mal à suivre, mais des fois je bloque sur des phrases. Tu fais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? S'appelle un tchatch en français. Oh le nom pourra. Ah là là, mais il y a vraiment, Oh il y a là là. vraiment. En France, il y a des fois on essaie de prendre des mots anglais et de les refranciser, mais c'est pas bon quoi. Genre le parking, appeler ça parking, stationnement c'est trop long, c'est chiant. C'était. Ah non, 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 mais ouais, effectivement. Oh là, vous me fatiguez. Bon, bref, est-ce qu'on se ferait pas une ou deux petites anecdotes? Ça fait longtemps. Ça va faire Bah, 3-4 je t'en prie. émissions que j'en ai pas faites. Ben, je t'en prie, ça m'en rappellera peut-être une ou deux, donc vas-y. Alors, on commence avec une anecdote sur la NASA. Oh Qui oui. concerne la musique. En février 2008, eh bien, en fait, c'était les 50 ans de la NASA. Ça Oh, fait elle que a ça. que 50 ans? Bah ouais, parce que c'est en combien qu'on a mis le pied sur la Lune? 173, un truc du genre, non? Ah ouais, mais sachant que ça fait un moment qu'ils voulaient mettre le pied sur. Franchement, la Non, NASA, c'est. j'aurais vu Non, ça. largement après, n'importe quoi, qu'est-ce que je dis? Oui, non, j'aurais vu ça beaucoup plus vieux en fait. Tu sais, parce que de tout temps, l'homme a essayé d'aller dans le ciel, dans l'espace, et je m'attendais que la NASA ait au moins, je sais pas, 80, 100 berges, un truc dans le genre. Bon, avec des Bah. débuts très, 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 Ouais, très mais gentils, mais. en 2008, ils fêtaient leurs 50 ans. Ah, d'accord. Ok, c'est cool. C'est-à-dire que En soi, c'est là, pas fou. actuellement, ouais, ça va. Elle a En 62. 61 ans aujourd'hui, actuellement, sur Google. Merci, Metalman. Notre franc kiki national qui suit derrière, c'est parfait. Et du coup, pour l'occasion, ils ont diffusé la chanson qui s'appelle Across the Universe des Beatles à destination de l'étoile polaire. Et du coup, en fait, tout simplement, la chanson, elle sera audible sur l'étoile polaire par un éventuel auditeur ayant le matériel adéquat seulement dans 431 ans après son émission. Bon, du coup, si on retire 12 ans, non, Encore 400 429 cas. à peu près. Bon, et un peu plus de 400 berges à attendre. Je suis optimiste, mais je pense pas que je serai là. Je Donc, s'il y a pense que quelqu'un qui est j'existe. motivé pour aller sur l'étoile polaire, poser son petit matériel radio pour réceptionner la musique. Les extraterrestres vont apprécier. Je sais pas en fait, ça dépend de leur goût. Ça se trouve, ils vont dire, mais c'est quoi cette merde? Ils vont prendre ça pour une agression, tu sais. Ça Mais. se trouve, les extraterrestres, ils écoutent du binaire. Ouais, c'est peut-être à cause d'eux qu'on a eu la tectonique. On sait rien. C'est Non, reptilien, mais. ça. Eh, mais en fait, en vrai, je trouve l'idée, elle est trop classe. De dire que tu postes, t'envoies un message, enfin, t'envoies une chanson super loin, et 400 ans après, elle te revient, je trouve ça ouf. Mais, enfin. Ah mais elle revient Parce que pas. ça. C'est-à-dire qu'elle arrive là-bas, dans 400 ans. Oui, mais un jour ou l'autre, elle reviendra avec les ondes, tu vois. Ça se trouve, dans 600 ans, ils diront, ah, t'entends cette chanson? Ben, elle est diffusée là-bas. Et c'est super cool, c'est parce que ça touche, tu vois, plusieurs générations, carrément. Mais bon, c'est juste un petit plaisir, un kiff d'humain, quoi, parce qu'en vrai, l'utilité n'est pas vraiment là. C'est juste un gros plaisir, quoi. Ouais, non, elle est cool. C'est quoi les paroles de la chanson? Bonjour, notre image, quand même. Dans 400 ans, il n'y aura peut-être plus de che... y a plus d'humains. Ouais, on sait pas, en fait. Dans 400 ans, ça, c'est ouf. C'est te faire des paris super longs. Bon, de C'est toute comme façon, au dans cinéma. 4 ans, on sera plus là, donc. C'est comme au cinéma. Ils avaient fait un film qui pouvait être vu que 100 ans après. Enfin, c'est un putain de pari sur l'avenir. Te dire que dans 100 ans, il y aura quelqu'un qui voudra voir ton film, c'est. Je sais pas, ça se trouve, dans 100 ans, le cinéma, on se dira, c'est de la merde, tout le monde fait de la série. Donc ton film va rester dans une boîte fermée. Tu vois, ça, c'est assez ouf. Et dans ce genre de pari un peu barge, est-ce que tu connais la Guinness, Clément, forcément? Ouais. Tu savais que à l'époque, le mec de Guinness, il a dû acheter un bail. Tu sais sur combien il l'a acheté? Ouais, on en a déjà parlé, c'était un délire, genre c'était Mais le plusieurs mec, centaines d'années. il a 1000 ans.
Mec, il a acheté sur Milan en disant de toute manière, ma marque me survivra. Ça, c'est ouf. Il y a des mecs comme ça, c'est les mecs qui, voilà, ils posent direct sur la table. Ah, dans Milan, ça existe Mais ouais, toujours. on Et il avait fait déjà parlé. OK. Alors, je sais plus sur quelle émission. C'était une spéciale, je crois, d'ailleurs, qu'on avait fait. Ouais, on avait fait une spéciale Tour du Monde, je crois, ou un truc dans le genre, quand j'étais revenu d'Irlande. Et on en avait bien parlé. Mais du coup, ça me fait marrer de. Voilà, le genre de conneries comme ça que tu peux prévoir sur l'avenir. Moi, j'adore. Je suis un grand fan parce que c'est un pari complètement ouf sur l'avenir en mode, allez, ça passe. Sauf que tu sais vraiment pas. Et le pire, c'est qu'en plus, le mec qui prend le pari est pas sûr. Enfin, c'est même pas qu'il est pas sûr. C'est qu'il verra jamais le résultat, tu vois. C'est vraiment, vraiment perdu. Mais ouais, du coup, bon truc. T'en as une autre ou je balance le clip pour Yuzu? Bah écoute, balance et puis je vous en trouve une autre pour après, si tu veux. Voilà. Alors, du coup. Ah, je l'ai pas mis en plein écran. Oh, c'est pas bien, j'ai mal fait mon boulot. Ah, j'ai du mal ce matin. Est-ce que tu peux envoyer le petit morceau fréquence métal en haut, histoire qu'on nous entende? Ouais. Et donc voilà, on va se faire péter un arche pour lui faire plaisir. I got what
retour. Du coup... Pardon. La musique du coup, aussi. YouTube a décidé de nous faire chier, voilà. Oh mon dieu, Laura, la relance pire. Du coup, voilà, un gros merci à Yuzu et Shuki, parce que je crois que c'est Yuzu qui connaît Arch, qui nous l'a fait découvrir, Shuki qui m'en a reparlé aussi il y a pas longtemps. En fait, tout simplement, je vaguais sur mon boulot, et c'est repassé dans ma playlist, et en fait, je suis tombé sur cette chanson, j'ai fait putain, mais en fait, c'est trop bon. Donc voilà, merci pour la découverte, franchement, j'ai bien kiffé. Je trouve que ça fait un peu... comment dire ça ? Tu sais, c'est un peu le entre les années 80... C'est un vieux morceau avec l'ancien line-up, apparemment. Ouais, mais ils ont pas beaucoup de clips vidéo, donc j'ai passé ce que je pouvais. Mais je trouve que ça fait un peu à l'ancienne, tu vois, entre le 80 et le rock californien. C'est le truc très joyeux, plein de couleurs et tout, et bah, j'aime bien. Dire quand tu bosses, ça motive, donc... faudrait que j'aille les voir en live, et quitte à faire ce jour-là, bah, on essaiera de faire un tir groupé avec Yuzu et Shuki, comme ça, on ira ça, voir ça tous ensemble, on vous paiera une bière pour vous remercier. Et puis voilà, on ira profiter tout simplement. Ah, je paye rien du tout, moi, je suis un gros rat. Hein. Oui, ben je sais, c'est pour ça que c'est moi qui m'occupe de la communication client. Le SAV, c'est moi derrière, parce que sinon vous êtes foutus quand même. Il devrait partir en tournée. Oh, cool, bah écoute, on va suivre ça. Ou alors, suis ça pour nous, et puis préviens-nous quand ça le fait. Mais du coup, bonne découverte. Alors, tu nous as donné un lien, mais ça nous dit que c'est pas disponible actuellement. Donc... peut-être des news en avance. Mais en live, ils ont l'air ouf. Ouais, c'est ce que j'ai... J'ai un autre groupe qui m'a parlé de Arch et qui m'a dit qu'effectivement, en live, ils sont assez pétés du casque, ils donnent tout ce qu'ils ont. Et bah, du coup, c'est pour ça que j'ai envie de les voir en live. Donc bon, c'est pas pour tout de suite, parce que les concerts, c'est pas prêt de recommencer. Mais on va garder bon espoir qu'un de ces jours, on puisse les voir en live. Donc voilà, c'est un petit plaisir. Et puis on voulait te faire un petit cadeau, comme ça, de temps en temps. On va essayer de temps en temps, comme ça, de vous dédicacer des petits clips rien que pour vous. C'est... Je sais pas, moi je trouve ça marrant. Du coup, Clément, t'as kiffé ou pas Arch? Bah, moi j'aime bien ce groupe. Je trouve ça cool. On se fait, le jour où ils sont en tournée, on se fait un vlog là-bas? Genre, on va foutre le sbeul avec 2-3 caméras. Ouais. Bah, de toute façon, c'est prévu dans les projets, donc. Bah, peut-être pas chez eux, mais on verra bien. Ah, on a trop Renor qui est connecté, qui me fait Arch, c'est cool. Bah ouais, on est tous d'accord sur ce niveau-là. Quoique, il faudrait peut-être demander son avis à Metaloman, voir s'il a quelque chose à redire. Parce qu'il est, il a des goûts différents des nôtres, du coup, c'est cool de savoir sa façon de penser. Mais il les a déjà entendus avec Anvil en février. Oh putain, Anvil, je suis fan. C'est vieux de la vieille, mais c'est tellement bon. On n'est pas tout d'accord. D'accord, il y a dû manquer un mot dans ta phrase. Oui, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est ce qui est cool en fait, Metaloman, qu'on fait qu'on soit pas d'accord et qu'on ait des avis différents. Il y a des groupes que tu connais bien mieux que moi, et du coup, bah, en apprenant des choses par toi, je me dis que finalement, je suis fan du groupe, mais il faudrait quand même que je fasse gaffe le jour où je les rencontre. Ce genre de petites choses. C'est pas mon délire, d'accord. Bah écoute, voilà. Tout à fait. Bah écoute, en fait, ce que j'aime bien avec Metaloman, c'est que j'ai l'impression qu'il a des goûts, tu sais, qui sont aux antipodes de moi. Mais ça me permet de découvrir ces trucs qu'il aime bien et du coup bah, d'ajouter des groupes à mes playlists. Et quand nous, on lui fait découvrir des trucs, il y a des trucs, il dit c'est pas mon délire, mais ça passe, du coup il rajoute à sa playlist. Du coup, finalement, ça va. On est gagnant dans les deux cas. Ça ressemble encore à 1000 groupes qui existent déjà. Ouais, mais ils se défendent bien sur scène, donc c'est là toute la différence. C'est un groupe qui est fait pour faire de la scène, pas des clips. C'est bien fait pour du glam. Okay, mais les mecs sont sympas, pas fan de fou non plus. Eh ben écoute, ouais, c'est pas ton délire. Alors là, il va y avoir une baston. Il va y avoir une baston parce qu'il y a deux personnes qui sont pas fans et on a Shuki et Yuzu en face. Allez, bon courage les gars. Clément, je crois qu'on a foutu le bordel dans le chat. On n'aurait jamais dû poser la question. Tu as foutu le bordel. Je suis plus responsable de rien. Ah non. C'est Fréquence Métal qui a foutu le bordel. T'as l'étiquette. T'es aussi coupable que moi. Voilà. Ouais, le siège social, c'est chez toi. Donc les gens, ils vont venir casser tout chez toi. Et d'ailleurs, le siège social en ce moment, entre le soleil de dehors et les deux PC qui tournent, il fait 70 degrés. Je suis en train de fondre littéralement. Je suis en train de crever. C'est une horreur. Non, mais on a le droit d'avoir des goûts différents. On a le droit de dire que tel groupe, c'est pas forcément notre cam. Et puis même, c'est pas parce que le groupe c'est ce que t'écoutes d'habitude et que tu trouves des ressemblances ou que c'est pas forcément, ça va pas te faire bouger la tête de ouf, c'est pas pour autant que tu l'écoutes pas, hein. Il y a ce qu'on appelle les groupes de playlist, hein. Ça passe dans ta playlist, tu passes un bon moment, mais t'iras pas non plus écouter un album en entier.
Il y a même des groupes que j'aime beaucoup. Je peux pas me faire un album en entier en un coup. Parce que c'est super long, parce que au bout d'un moment, tu commences un peu. J'ai plein de groupes de Black et de Death comme ça, j'aime beaucoup une chanson de temps en temps. Mais un album entier, je peux pas, parce que je péterai un plomb, ce serait trop long, trop chiant. Donc voilà. Massisteria, c'est bof, ça y sert. C'est surcoté grave. Bon, je sais pas, moi, Massisteria, moi j'aime bien. Ce truc, mais c'est pareil, je l'aime ma petite dose. Quand j'écoute un album en entier, ça commence un peu à me faire chier. Mais voilà. Du coup, Calmon, est-ce que tu avais une anecdote pour nous sortir pendant que le chat se bat à coups de groupe? Ouais, Enfin, il se bat, mais en toute gentillesse. C'est quand même mignon, tu vois. écoute, mon petit Jou, est-ce que tu savais qu'il existe un groupe? Clément, Non, on n'est voilà, pas c'est tout. là-dessus. D'accord. Non, Je m'attends. Les connards. Je m'attendais à un truc de ouf, genre un groupe de rock au Groenland, tu vois, un truc, et là, juste un groupe. Est-ce qu'il existe un groupe? Bah, oui, plein. Mais un groupe de quoi? Non, est-ce que tu sais qu'il existe un groupe qui a l'habitude de se produire en se faisant passer pour un tribute band, c'est-à-dire un groupe de fans qui les imite? En fait, il s'agit du groupe They Might Be Giant, qui a notamment composé la très célèbre bande originale de la série Malcolm, qui Oh, se c'est produit eux? parfois sous le nom de Saphir Bullets, groupe qui reprennent leurs chansons. Pourquoi C'est ils font excellent, ça? quand même. En fait, Je sais c'est pas, il se des... tape un délire, c'est peut-être un moyen de mettre en lumière, en avant le groupe Saphir Bullets. Je sais pas. C'est-à-dire que les mecs, ils ont composé quand même la bande originale de Malcolm, que toute notre génération connaît, forcément. Qu'on a quasiment tous apprécié, parce qu'en plus, la série déboîtait derrière. Mais les mecs, pour faire leur propre concert, ils se font passer pour un tribute et ils jouent leurs morceaux. Mais j'ai jamais vu ça. Où est-ce que c'est un Metallica moyen? aussi, apparemment, Metaloman qui nous dit qu'il avait fait un concert sous un faux nom. Ou est-ce que ce serait pas une technique pour pouvoir faire dans les plus petites salles? Parce que quand t'as un gros groupe et que tu veux rentrer dans une salle, t'as des salles qui vont refuser parce qu'elles savent pertinemment, tu sais, qu'elles vont avoir le contrôle total Je des pense états pas, des je pense que lieux. c'est vraiment un délire qu'ils se sont tapés. Ça a l'air d'être des sacrés énergumènes, hein. Putain, c'est encore pire que Dave Grohl niveau troll là. C'est ça, c'est ouf. Hein. Te dire, tu montes un tribute band de ton propre groupe, c'est assez pété du casque. Ah, ils ont pas monté un tribute band. C'est ils se font passer pour un tribute band qui existe vraiment. Par contre, un truc qui doit me faire mourir de rire, c'est que du coup, tu vois ça qui passe près de chez toi. Tu dis, c'est ton groupe préféré, là, c'est un tribute band. T'achètes ta place, tu es en mode, bon, bah, je vais voir un tribute band de mon groupe préféré, écoute, c'est cool, je vais pouvoir écouter les musiques que j'aime bien. Et là, t'arrives, c'est le vrai groupe. Tu dois complètement péter un plomb. Tu dois dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, ouais. Et là, on t'apprend qu'en fait, non, c'est fait exprès, c'est juste pour le troll, quoi. Tu dois péter un plomb. Tu dois être le mec le plus heureux du monde à l'instant T, ça doit être toi, quoi. Mais c'est comme. Enfin, ça me fait penser un peu à ça, mais c'est un peu comme Charlie Chaplin qui s'était présenté à un concours de sosie de lui-même et qui n'avait même. Enfin, il avait même pas gagné, quoi. Oh merde, c'est chaud. C'est chaud. Non, moi j'avais vu pas mal de trucs comme ça, mais de petites blagues de stars qui se sont amusées à l'aider dans des conventions déguisées en elles-mêmes. Bah C'est-à-dire t'as. elles avaient Ouais. un masque, mais en fait c'était vraiment eux en dessous. T'as Adèle qui a fait un truc sur. Pareil, sosie d'Adèle. Qui s'était fait passer pour un sosie d'elle-même, quoi. Putain, c'est ouf. C'est génial, ça me fait trop rire. Alors moi, il y a deux trucs qui m'avaient fait marrer comme ça. T'avais le mec qui joue Harry Potter, qui s'était déguisé en Harry Potter. Et qui disait aux gens, non, je suis pas Harry Potter, je suis juste un fan. Et les gens croyaient tellement que c'était un fan qu'ils se sont pas rendu compte qu'ils avaient pris une photo avec le vrai. Et il l'a annoncé, genre, une semaine après, tu vois, la réunion sur les réseaux sociaux. Et il y a plein de gens qui ont pété un plomb en mode, putain, ça veut dire que j'ai eu le vrai sur la photo. Ils sont devenus dingues. Et le mec de Malcolm qui a joué aussi qui a joué Walter White, tu vois qui c'est? Le papa Malcolm. Ouais, c'est ouais. Voilà. Il a fait pareil une convention où il s'est baladé toute la journée avec un masque de lui-même, mais un peu mal fait. Tu sentais que c'était un masque, en fait. Il s'est baladé toute la journée comme ça, il a fait plein, 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 plein de photos. Et en fait, quand ils l'ont invité sur scène, les gens ont dit, ouais, c'est un mensonge et tout. Le mec arrache le masque et c'était vraiment lui. Et là, pareil, les gens ont pété un plomb en mode, attends, c'est Il y pas en a plein normal et qui tout. font ça, il y en a plein qui font ça, il y a toutes les stars qui vont dans les musées de cire. Ouais, pareil, ouais. Où il n'y a pas longtemps, enfin si, il y a un petit moment parce que maintenant il est décédé le pauvre, mais t'avais l'acteur qui a joué Chewbacca qui avait fait ça avec le vrai déguisement de Chewbacca.
C'est-à-dire que c'était le vrai déguisement, donc les gens sont devenus fous parce que ça y ressemblait vachement en vrai. Et en fait, il y avait le vrai acteur dedans. Et là, tu dis, si t'as pris une photo, c'est-à-dire que t'as pris une photo avec l'acteur et le costume officiel. Tu deviens barge. Enfin, moi, je fais ça et je m'en rends pas compte. Bah, l'acteur, on le connaît pas, pas trop, mais le costume, c'est quand même stylé, quoi. C'est ça. Bah, l'acteur, normalement, il est un peu connu maintenant, quand même, parce que c'est déjà, c'est un géant. Il a toute une histoire assez ouf derrière. Ouais, voilà. Il y a une histoire assez ouf derrière. Mais du coup, ça m'aurait fait péter un plomb, en fait. Je pense qu'une semaine après, t'apprends ça, tu deviens complètement... Tu deviens schizo, en mode « Oh putain, je l'ai rencontré en vrai !» Tu deviens ouf. C'est assez ouf. Alors, on nous dit... Lys Galaxy. Oh, bah, bonjour, on a un nouveau sur la chaîne. Je sais pas si tu étais déjà venu, du coup, bon, bonjour, bienvenue. Je ne sais pas qui tu es, mais... Salut tout le monde, vous allez bien? Écoute, on va très bien. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Je ne sais pas si tu es il ou elle, déjà. Désolé. Et deuxièmement, j'ai l'impression que tu es nouveau parce que je n'ai pas vu ton pseudo souvent. Bon, en même temps, je ne suis pas très doué avec le chat. Avec mes yeux, j'ai du mal à surveiller. Alors, Daniel Radcliffe est un gros troll, je l'adore. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être un méga, méga troll. Il n'en a strictement rien à foutre. C'est comme Ron, que quand il a fini tous ses films et qu'il a touché le pactole, il a monté une camionnette de glace. Parce qu'il aime bien offrir des glaces aux gamins. T'es là en mode, ah ouais, c'est une autre génération en fait. Ils sont complètement pétés du casque, mais dans le bon sens. Est-ce que je peux poser une petite question au chat? Ouais, vas-y. Qui va peut-être pouvoir me renseigner. Est-ce que quelqu'un a un iPhone dans le chat? Ah, pourquoi t'as un problème avec? Ouais, j'ai un problème avec un iPhone. D'accord, c'est... On passe en mode dépannage perso, c'est parfait. Voilà. Et est-ce que je peux me permettre de te choisir un clip pour après? On avait le clip de Nounours Barbu après. Mais après, je peux te le proposer, il n'y a pas de souci. Alors, Thalys Galaxy qui fait « Si, si, je suis déjà venu, je vous ai rencontré au Brio Folies, je fais partie du groupe Hard Shock. » Oh, putain, salut, ça fait plaisir. Bah écoute, non, mais ça fait, enfin ouais, ça fait grand plaisir de te revoir du coup. Bah ouais, c'est ouf le nombre de gens qu'on a rencontrés au Brio. Je suis tellement dégoûté que ça soit fermé cette année, ça me fout les boules. Mais du coup, bienvenue. Je pense que bah écoute, un de ces jours, on passerait. Si faudrait que je voie si t'as un clip de ton groupe, mais il faudrait que je le passe un de ces jours. Ce sera avec super 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 plaisir. Berk Apple, non, j'ai un iPad, nope souris, ah, on va avoir un peu de mal. Du coup, je vais passer le clip de Nounours Barbu, parce qu'il serait peut-être temps qu'on le passe. Ça s'appelle Far From One Dreams, une fourle de Wade Run, et j'ai eu un peu de mal à le trouver, parce qu'il semblerait que la plupart du temps dans notre pays, ce clip n'est pas autorisé. Donc voilà, j'espère, je les ai trouvés. Bah moi non, je le connais pas, du coup ça va être au moins une découverte pour moi. Du coup, Clément, est-ce que tu peux monter le fréquence métal histoire qu'on n'entende plus nos voix et puis après on proposera ton clip. Comme ça, tu seras content. We'll be right back.
Voilà, désolé, on a dû arrêter avant un peu la fin parce que ça commençait un peu à tarder. Malheureusement, le clip fait quand même 8 minutes et demie, c'est ouf. Et si c'est le morceau, petit... le morceau. Enfin, un clip, ouais, non, pardon, pardon. Si c'est le morceau le plus court, j'ose pas imaginer, ça doit être des morceaux de 14 minutes derrière. C'est plaisant, mais bon, d'un moment, faut quand même qu'on reprenne l'antenne. Ça fait un peu feignasse de dire bon, allez, on met des morceaux de 14 minutes, tu vois. Mais j'ai connu, franchement, sincèrement, par contre, j'ai connu une radio qui faisait ça avec Clément. C'était une petite radio locale que j'avais dans le 92 ou 91, non, 92 à l'époque, j'habitais. Et c'était une petite radio locale, et le mec posait des morceaux de 15 minutes, blablatait pendant, je sais pas, 5-10 minutes, et remettait 15 minutes. Et t'es là en mode, oh, ça devenait vraiment trop trop long, c'était assez ouf. Alors, il y a Lise qui nous dit on organise un festival tous les ans fin juin qui est annulé cette année. Bah oui, effectivement, malheureusement, comme beaucoup, ça fait bien. Alors, si vous êtes intéressé de faire un petit truc comme les Briofolies, un petit stand, écoute, ouais, bah, viens nous voir en privé. Franchement, un festival de plus, on est chaud. En plus, normalement, le projet cette année, c'était squatter plein de petits festivals. Donc on serait carrément chaud pour venir te faire un stand avec une radio en direct, enfin je sais pas, on va voir ce qu'on peut faire. Mais viens nous contacter directement sur soit sur la page, soit par Gmail si tu l'as, soit viens me choper en privé sur Twitch et je te donne toutes les infos. Mais non, ce serait avec plaisir. Je te disais, ouais, ça parlait de JDR tout à l'heure, il m'en est arrivé une dans le 9-3 qui m'a fait mourir de rire. C'est que j'avais un pote, c'était son anniv. Un gros fan de JDR et tout, et donc on part sur un JDR grandeur nature, c'est à dire que tu es vraiment déguisé machin et tout, tu vois, c'est vraiment la totale.
Le truc, c'est que ça se passe dans le 9-3, Clément. On est passé dans des quartiers, mais ultra chauds, normalement. Et en fait, on n'a eu aucune emmerde parce que dans le jeu, moi j'étais déjà un viking, donc j'étais déguisé avec de la fourrure et tout, je crevais de chaud. Donc j'avais une gueule encore moins, on va dire, joyeuse et tout et tout. J'étais maquillé, donc le maquillage avec la salaire avait coulé et mon pote avait trouvé une vraie épée. Et donc je me baladais H24 avec une épée bâtarde qui devait faire au moins 15 à 20 kilos. J'ai débarqué dans des cités du 9-3 comme ça, je te jure, les mecs me regardaient de loin en mode. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et derrière, t'avais mon pote qui devait faire 2,10 m, 210 kilos, donc une belle masse, tu vois, et déguisé en sorcier. C'était à mourir de rire. Et on n'a eu aucune emmerde parce que les mecs n'osaient pas approcher en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais du coup, on a passé un très très bon moment. Et on s'était assez éclaté parce qu'on avait commencé dans le 9-3 et on avait fini dans le nord de la France sur une plage. Donc c'était un vrai gène bien monstrueux. On s'était quand même bien 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 marré. JDR, non, c'est jeu de rôle. C'est les jeux de rôle. C'est Gilles qu'on devrait ban. Pourquoi vous devriez me ban? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Avec toutes ces phrases tendancieuses. Ah, mais oui, mais. Oh. Est-ce que vraiment vous voulez me ban pour mes phrases tendancieuses? C'est naze. Clément, est-ce que tu as des petites anecdotes sur ça? T'as déjà fait du JDR, toi, ou une connerie dans le genre? Eh bah, Donjons et Dragons, quoi. D'accord, putain, j'ai Mais l'impression que t'étais. pas grandeur nature, mais. Ok, c'est cool. On a Mais eu, ça me ferait kiffer, ça me ferait marrer. Enfin, ça dépend, je pense qu'à la longue, ça me saoulerait, mais. non, mais faut que ce soit fait de temps en temps. Tu peux pas faire ça tous les jours non plus. Mais c'est marrant parce que tu peux carrément faire des trucs assez ouf très très vite. Du coup là, sinon pour la découverte de l'ours barbu, elle est super cool. J'aime beaucoup le style. On Mais vient de lancer un concours de jeu de mots sur les initiales JDR dans le chat. ok. Je viendrai te demander conseil, le poussin glam. Conseil pourquoi? Pas suivi, le chat il est parti en cours. Oh, je viendrai te demander conseil. Ouais, je sais pas pourquoi, mais dis-moi. Ah, je pense en commencer un bientôt, mais j'en ai jamais fait. Bah oui, mais Clément n'en a jamais fait aussi. Non, mais de Donc, quoi? des jeux de rôle. Grandeur Ah mais si, nature, t'en as j'ai jamais. fait. Ah non, pas. Oui, mais enfin, j'ai fait Donjons et Dragons, quoi. Ouais, bah, ouais. Moi, j'avoue que j'en ai fait aussi, c'était assez cool. Non, moi, j'avais surtout sur les jeux de rôle, j'étais surtout sur l'univers Warhammer, Warhammer 40 000. Parce que c'est encore plus bourrin, encore plus violent, et tu peux vraiment être un vieux salopard là-dedans, donc c'était à crever de rire. Sinon, Nounours Barbu, je voulais te remercier pour le morceau. J'aime beaucoup. C'est le genre de musique que j'aime bien me passer très très tard la nuit, tu sais, quand je bosse entre minuit et 14 du matin. Même si elles font 14 minutes, c'est un style que j'ai. L'épique, c'est un style que j'apprécie depuis que je suis tout petit. Et du coup, c'était avec plaisir de découvrir ce groupe. Je ne connaissais pas. Du coup, je vais me le garder de côté et je pense que je vais me le refaire très bientôt. Bah, peut-être même cet après-midi, vu qu'on va préparer la double émission, Clément. Avec une des dernières de la quotidienne. Ça sera le Putain, plaisir. mais cet après-midi, moi je suis pas là. Hein. T'es où? Bah j'ai plein de trucs à faire. Faut que j'aille récupérer mes courses. Faut que j'aille faire des trucs pour ma mère parce que demain c'est le 8 mai. Bah, au pire, prépare au moins celle du soir en Moi c'est prêt. priorité. C'est Et prêt, c'est demain prêt. matin. Ah oui, mais non, tu m'as dit que demain matin, en plus, t'es pas là. Bah ça dépend. Je te dis ça tout à l'heure parce que ça dépend si j'ai des livraisons à faire. Après, au pire, je m'absenterai une demi-heure. Mais D'accord. Bon, je bah serai là, écoute. je pense. Bah, au pire, je peux inviter Yuzu, je peux inviter Metaloman, ou même Nounours Barbu, s'il est chaud pour faire une émission avec moi demain matin. On peut inviter du monde, on va faire un open mic, c'est pour fêter dans les dernières. C'est-à-dire que tu distribues le micro à qui le veut et tu il vient foutre le bordel en direct, ça pourrait être assez fun. Il y a Metal Man qui fait on est là! Toujours chaud pour venir foutre le bordel sur notre chaîne. C'est un plaisir, Metal Man. On pourra Mais juste on va passer venir du foutre le hardcore en bordel fan. en échange dans tes apéros métal. Il fait est-ce qu'on pourra passer du hardcore ou de la musique noble? Bah écoute, on peut passer du hardcore, ça nous en arrive très souvent d'en mettre. Sauf que la matinale, c'est vrai qu'on a tendance à mettre des trucs un peu plus cool parce que c'est le matin, tu vois, c'est l'apéro, on essaie d'être gentil, tout doux, tout ça. Alors attends, je peux enfiler moi du hardcore. Bah écoute, c'est bonheur, hein. Si en plus vous avez plein de groupes, nous on est preneurs, on écoute de tout généralement. Le hardcore en plus, c'est un style que t'aimes bien, Clément, ça va? Moi j'aime bien Ah, ça. je suis metalcore, ouais. C'est Hardcore, genre. je sais pas, ça dépend des groupes, mais c'est quand même pas mal.
Moi, c'est le genre de truc qui me réveille dans la fosse, donc j'aime bien aussi, c'est pas un souci. Donc voilà. Oula, oula, qu'est-ce qu'on... Putain, je viens de me faire... Pardon, je viens de me faire spammer, parce qu'il semblerait que notre président ait fait une fuite et une grosse connerie dans un hôpital. Et donc j'ai tous les MP3 qui sont en train de diffuser, parce qu'on... Excellent, est-ce que vous avez vu la connerie de Donald Trump qui visite une usine de masques? Non, il a fait quoi? J'ai peur, je... Une usine de masques, déjà, il porte pas de masque, alors qu'il y a des panneaux partout, genre, porte du masque, il porte pas de gants. Il touche à tout, il respecte pas les distances de sécurité, il respecte pas. Genre, il touche à toutes les personnes, il serre les mains à tout le monde et tout. Et pendant sa visite, tu sais, il y a toujours des musiques et tout. Ouais. Et là, la musique qui passait pendant sa visite, c'était Live or Let Die ou un truc du genre, tu vois. Oh putain, les trolls. Qui a... Eh, mais quel est le génie qui a posé cette musique? Quel génie. Genre, question ou crève, elle est magnifique. Nashuki qui fait, il a craché sur tous les masques. C'est une... Ouais, non, mais c'est... Racontez-moi, je regarde pas les... Ah non, mais c'est ouf. C'est ouf qu'il soit... Non, pareil aussi, il y a notre président qui a voulu aller dans une classe d'écoliers pour dire on peut réouvrir les écoles, vous voyez, c'est sans danger, genre qui voulait montrer l'exemple. Bon, déjà, son truc a fonctionné, mais fonctionne pas partout. J'ai un pote qui est un peu plus en région rurale qui a dit si on suit les règlements dans toute l'école, il va y avoir que 17 élèves, donc là, tu fais... ça bloque un peu quand même. C'est un peu sélectif, 17. Mais c'est surtout qu'en fait, pendant sa démonstration, à un moment donné, tu sais, il a voulu faire rire les gamins. Et tu sais, tu fais le cachet trouvé, sauf qu'il l'a fait avec son masque. Il a fait coucou, tu sais, il a retiré le masque, il a fait sourire. Et là, tu fais, bah non, ça y est, t'es infecté. Ça, c'est le truc con. Il a voulu juste faire rire les gamins. Et tu te dis, non, pas avec le masque. Et le pire, ça, c'est dans le truc de Trump, là, ça me fait rire, parce que t'as le mec, au début, il insiste pour lui filer un masque. Mais il en veut pas, tu vois. Genre, il l'envoie chier. On nous dit c'est une blague ce mec, non mais Trump c'est pas une blague, je pense que c'est, je sais pas comment mais il a un problème. Moi je sais que Trump, je l'ai connu avant. Je l'ai connu avant qu'il fasse de la politique parce qu'avant il était copain avec le directeur de la WWE, donc tu le voyais faire du... Ah ouais. Intervenir dans les trucs de catch, et ouais non, je te jure, Trump a participé à des matchs de catch en frappant le directeur de la WWE et tout. Mais oui j'ai vu. Mais déjà, à l'époque, il était super con. Enfin, il disait des trucs, c'était « Oh !» C'est en mode, aux États-Unis, c'est là en mode « Ouais, mais... » Parce que c'est le mec qui a réussi, tu vois, qui a sa tour et tout, tout. Sauf que moi, quand je regarde ça, je dis « Putain, mais il est con comme une bite, ce mec, tu vois. » Et genre, quelques années, peut-être une dizaine d'années après... Ah ouais, et quand une dizaine d'années après, j'ai vu qu'il se présente dans la politique, j'ai fait « Non, mais c'est une blague, tu sais, je m'attendais à un coup... cette blague est montée par la WWE, tu vois, et en fait, non. Et là, j'ai fait Ah, c'est chaud quand même. Tu sais, t'es là en mode, tu te rappelles tous les souvenirs, et tu fais Et c'est ultra chaud parce que des fois, ils sortaient des trucs un peu borderline beaucoup. Enfin, déjà, même à la WWE, il s'était fait déjà sanctionner parce qu'il avait sorti des trucs ultra borderline, tu vois. Mais là, c'était chaud. Et tu vois qu'en fait, il est élu, tu fais Ah non, c'est pas une blague, en fait. C'est assez flippant. Mais je crois que la blague, elle est pas. Elle n'est pas qu'à lui, elle est à tout ce monde, en fait. Les mecs, c'est assez fou. Toi. Comme notre président qui, au bout de 5 minutes, retire son masque alors qu'il est là. C'est important de suivre les règles. Tu fais... t'as pas compris. Ça y est, t'es contaminé. Tu vas contaminer ta vieille, elle va mourir. Bien joué. Je sais pas si vous avez vu son... Du coup, ouais, t'as vu le Metaloman, forcément, le discours qu'il a fait hier. Mais la mise en scène... c'est incroyable, quoi. Sur quoi? T'as pas vu? Genre sur son bureau et tout, il y avait des bouteilles de gel hydroalcoolique, il y avait des gants et tout, tu vois. Oui, alors qu'en fait, il bronze dans les jardins de l'église toute la journée. Calme-toi. Et ça me fait rire parce que ça me fait penser au cours de politique que j'avais à la fac, là, où on analysait justement les discours et les messages que visuels tu veux, dans les discours. Mais mec, mais c'est un délire, quoi. C'est genre, t'es t'as le fond gris, genre, qui rappelle les trucs d'hôpitaux, enfin, t'as le gel, t'as les trucs médicaux et tout, à droite à gauche, calme-toi. Moi qui ai fait et de l'avant, je peux... Genre, à un moment, il était pas coiffé et tout, genre, c'était en mode, ouais, je suis pas coiffé, je travaille de ouf, j'ai pas le temps, machin et tout. Calme-toi. Ah non, mais moi, pour qui ai fait du commercial, je peux vous dire que l'image est des fois plus importante que le discours, hein. C'est clairement... Ouais, c'est clair. Par contre, on nous dit, oui, le masque, ce n'est pas pour ne pas être infecté, c'est pour ne pas infecter les autres, effectivement. Mais c'est très important de le porter. Et on nous dit, c'est très important en ce moment. Moi, je peux vous confirmer que là, ça devient très important, parce qu'il y a pas mal d'hôpitaux qui disent que les chiffres sont en diminution, et donc c'est plutôt une bonne chose. Sauf qu'il y a des coins qui sont super touchés, notamment le nord de la France.
Ils sont en train de prendre une seconde vague dans la tronche. Je vous dis ça parce que j'ai des copains là-bas et qui bossent dans les hôpitaux. Et j'ai un hôpital là dont un pote bosse. Ils m'ont dit en une semaine, ils ont eu 14 nouveaux cas et les 14, ils sont partis direct sous respirateur. Donc, ça n'a pas disparu. C'est encore là. Donc, mettez le masque. Au moins, si vous l'avez sans le savoir, vous le passerez pas aux gens. Mais mettez tous le masque. Ça devient plus une blague. Tu vois là-dessus, mais c'est vrai que Metaloman a raison et j'ai pensé la même chose. Mais le mec s'adresse à des personnes de l'audiovisuel dans son discours. Le gars, il fait ça à l'arrache dans une salle. Il n'y a rien. Il n'y a pas de projo. Il n'y a que dalle. Il n'a pas de micro. C'est dégueulasse. Oui, j'ai vu Metaloman qui a mis ok, c'est gentil d'audio, mais gros, rapproche ton micro, on t'entend pas, j'étais bord de rire. Mais oui, tu sens qu'il connaît pas du tout cet univers, et du coup, bah, son discours va avec. C'est comme si moi, demain, je sais pas, je te parlais des Scooby-Doo, j'y connais rien, et ça va être à chier. Mais non, adapte ton discours, ça par contre, c'est une grosse erreur. Normalement, en BEP, on t'apprend ça, adapte ton discours, adapte ton CV, adapte... Ah, y a une phase de recherche et de travail avant de te lancer dans un discours, quoi, c'est ouf. Mais bon, qu'est-ce que je te dis, c'est pas un univers qu'ils connaissent et je pense qu'ils ont pas envie de le connaître, donc n'est pas la tête, ça vaut pas le coup. Moi, je me dis une chose, c'est que... Ah, je suis totalement d'accord avec toi, Metaloman, mais bon, c'est du mépris. On va pas parler de politique, parce que c'est pas de toute manière. Pour finir, c'est simple, le monde de la musique va devoir, comme d'habitude, se sauver par lui-même. La culture en général. Ouais, la culture en général. Moi, je parle de la musique parce que là, on parle musique sur cette chaîne. Mais la culture en général. Certains musées qui vont avoir certaines aides et tout, mais encore, c'est pas. Voilà. Pas dit. Le monde de la culture va devoir encore se sauver par lui-même en trouvant des idées à l'arrache pour continuer à survivre et en fonctionnant surtout sur la solidarité des gens qui sont fans de musique, fans de musées, fans de machin. Ça va être la solidarité et la débrouillardise qui va la sauver, mais c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière fois. La culture est quelque chose qui, normalement, pour moi, je l'espère, un jour se suffira à elle-même parce que dès que quelqu'un essaie d'y foutre les pieds dedans, généralement, il comprend rien et ça fout la merde. Donc voilà. Du coup, pour finir un peu ce truc, Clément, tu nous as proposé un clip. Parle-nous de ce clip. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que quoi ? C'est un groupe que j'avais présenté en découverte musicale en première saison qui s'appelle Choups. Je sais pas comment ça se prononce. Moi, je les appelle Schweppes parce que ouais. C'est presque pareil. Ils viennent de Birmingham, pardon, en mm-hmm. Angleterre. J'avais déjà fait la présentation, je vais pas le refaire, hein, mais pour rapidement, ils sont signés chez Spin Farm Records et Destroy Records. Donc voilà, et puis du coup, ils ont sorti un nouveau clip il y a 3 mois. Je voulais vous le passer et j'ai jamais eu l'occasion, du coup. J'y repensais tout de suite, là, il y a une demi-heure, donc. C'est l'occasion de se le faire. Le morceau s'appelle Hot Head, et c'est cool, ça reste du. Dans le même délire. Donc c'est cool. J'aime bien. Bah écoute, monte le fréquence métal pour plus qu'on entende nos voix nasillardes et puis on se fait ça tout de suite. Je dis ça parce que j'ai le nez bouché, je respire plus, c'est horrible. Et à tout de suite. Mais...
Et on est de retour à l'antenne de Fréquence Métal avec ce magnifique clip de Shapes. Du coup, normalement, là, je vous ai mis, voilà, vous avez en première tête le leader, on demandait, donc c'est lui. Normalement, si je me trompe pas trop. Oui, c'est ça, parce qu'il a, il a souvent. Ah, il y a le piercing au nez, d'accord. Ouais, mais je le voyais pas, le piercing au nez. Il est très, très, très discret. Mais je suis trop fan de ce groupe. Mais là, le clip en mode pilori bleu avec des nuages, c'est tellement mignon. Alors qu'un pilori, c'est tellement pas fait pour être mignon à la base. Mais c'est ouf. C'est ça, c'est assez fun. Je sais pas. Est-ce que le chat a aimé cette chanson? Il est vraiment top ce morceau. Je vous invite à aller écouter ce groupe parce que c'est tous leurs morceaux sont trop bien, quoi. C'est trop bien comme groupe. C'est Godefroy. Ouais, c'est ça. C'est Godefroy de Montmirail. Le... Ouais, alors c'est... il a pas cette tête là habituellement. Bah, il l'a peut-être joué moyenâgeuse vu qu'ils avaient déjà le pilori, tu vois. Il s'est dit bon, allez, on y va jusqu'au bout. Putain, mais où est-ce que t'es. Enfin, comment t'as été au courant de ce clip? T'as trouvé ça où? Non, parce que je les suis. Donc je suis leur. J'adore ce groupe, donc en fait je suis leur actualité. Et... En fait, moi je me disais, je vais peut-être. On a la chaîne YouTube Fréquence Métal. Et je me demande si un de ces jours je vais pas aller la mettre en route et commencer à liker, tu vois, tous les. Enfin, à suivre tous les groupes que nous on suit, tous les groupes amateurs pour être au courant des derniers clips en fait. Je me suis dit que c'est trop con, c'est tout con comme méthode et ça, c'est hyper simple et ça fonctionne. Du coup, il faudra que je me mette à bosser cet après-midi, c'est une bonne idée que je viens d'avoir. Mais, on verra ça après, quand la médecine elle sera finie, c'est pas pressé. Ouais, mais du coup, c'est Schweeps, non, comment ça se dit Schweeps, je sais pas trop. Ça dit Shapes, j'ai l'impression Shapes. Que c'est un A à l'envers, comme nos amis de Dawkins. D'accord. Oui, c'est vrai que Dawkins, on avait cherché un moment à cause de ce A à l'envers aussi, on avait, tous les noms ils sont passés, mais pas le bon. Mais du coup, ça fait plaisir, parce que tu nous avais fait en découverte il y a un petit moment déjà. Mais j'avais bien kiffé. Ça fait un bout de temps, mais c'est kiffant. Enfin, le groupe, tu sens qu'il a évolué. Mais le pilori bleu avec des nuages, c'est juste parfait. À mon goût, c'est parfait. Ouais, c'est Cheps. Désactive les notifs. Alors, sinon, ta boîte mail va exploser. Ouais, non, mais je suis au courant. J'ai ce problème déjà sur ma chaîne perso. Désactive les trucs YouTube parce que ça va être l'enfer. Hein. Ah ouais, mais moi déjà, je vais le désactiver parce que déjà sur ma perso, j'ai toutes les chaînes YouTube que je suis et j'ai déjà commencé à me connecter à pas mal de chaînes YouTube, des groupes amateurs qu'on aime beaucoup. Et j'ai tous les jours 20 à 30 mails de notifs. Donc il faut que je désactive ça au moins pour Fréquence Métal parce que sinon c'est une merde pas possible. Et en plus, la boîte mail Fréquence Métal, elle est déjà assez blindée de conneries. Ça me demande généralement une bonne heure à trier. Je vais me doucher, mais je vous écoute. Bah écoute, parfait, Chouki, bonne douche. Et puis à très bientôt sous la douche. On continue à t'écouter nous aussi. Très bizarre, ça, je vais te ban pour cette phrase. Vas-y, ban-moi, j'en ai plus rien à foutre. Hop, allez, bannissement temporaire. Allez, on dégage. Oh, ça va, on a dit pire. On a déjà fait pire, chacun son tour. Ouais, effectivement. Mais je m'en fous d'être banné, c'est pas... Selfie douche du daron. Eh, je l'ai fait la dernière fois. Normalement, les selfies, je suis pas fan, surtout mais les selfies cons comme fait, ça. Mais on l'a tous fait, c'est-à-dire que... Ah ouais, non, mais sur ce... Mais comment ça s'appelle? C'est un... J'ai perdu le nom sur ce Discord. Par contre, j'ai dit que je vous écoutais, et du coup, c'était perturbant. Effectivement, j'imagine. Surtout si t'as un haut-parleur et que t'étais pas toute seule dans la pièce. On va laisser Chouki se doucher tranquille, on va arrêter de parler de sa douche, sinon jamais y aller. Voilà. Mais effectivement, sur le Discord, on avait tous suivi le selfie douche. C'était très con, mais très marrant. Et, de toute façon, en fait, on va aller tous se doucher parce qu'il est midi et demi. Donc, Du coup, est-ce que t'as un dernier mot avant que je balance ce clip que je voulais passer pour moi, parce que j'aime bien? Eh ben, je voulais finir sur une petite douceur. Prenez soin de vous, lavez-vous, et vive le glam. Voilà, des bisous et à demain. On m'envoie métalomane, il préfère les selfies du daron que de Chouki. Et écoute, chacun ses goûts, voilà. S'il préfère les miens, ça me gêne, je vais plus en faire, mais c'est le seul mec qui... c'est un compliment, mais il n'arrive pas à l'accepter, c'est en mode, j'hésite quand même. Non, en tout cas, voilà, je voudrais vous remercier d'avoir été là ce matin, je suis content que... Lys Galaxy, je crois que je me trompe pas dans le pseudo, soit passé, ça fait plaisir, n'hésite pas à nous recontacter pour ton festival, ça sera avec bonheur,
Surtout qu'on est en train de, avec Clément, de voir pour s'acheter notre propre Barnum. C'est un vrai petit Barnum fréquence métal et tout. Donc ça pourrait être classe. À la volée, je vais remercier Yuzu, Shuki, Metaloman d'être là tous les matins. Nounours Barbu, c'est un plaisir. Un de ces jours, il faudrait même que tu viennes faire un bout d'émission avec nous pour présenter ton œuvre, ton podcast, parce que j'ai vu que ça fait un moment que ton podcast existe. Donc bah déjà, respect, tenir autant de temps, c'est beau, bravo. On est très très fan du sujet. Donc il faudra que tu viennes te présenter, il n'y a pas de souci. Et si j'oublie des pseudos, je suis vraiment désolé, voilà, je vous fais des bisous à tout le monde. On se dit rendez-vous demain matin pour ce qui sera peut-être bientôt la dernière quotidienne. À mon avis, il en reste 2-3 là, pas plus. Ouais, voilà, je sais pas, peut-être on va tirer la fin de la semaine, je sais pas, on va voir comment ça dépend du déconfinement. Que cette émission était là pour le confinement, pour se soutenir tous les matins. Et puis, bah, on se retrouve surtout vendredi soir, donc 20h-23h pour 3 heures d'émission. On va préparer ça avec Clément. C'est l'émission habituelle. Je vous avoue que... Je vous fais une nouvelle chronique demain. Yes. Je vous avoue qu'on a une certaine hâte que le déconfinement arrive, parce que pour nous, ça va pouvoir dire qu'on va pouvoir retourner au studio, pouvoir tourner avec le matos de d'habitude, et ça, c'est un bien. Et que normalement, si on se débrouille bien, en moins de 10 personnes, on va pouvoir même réinviter des groupes. Et ça, c'est bonheur total. Donc, on a hâte que tout ça se passe. Donc, voilà. Ouais, moi non plus, je sors pas le 11 mai. Hein. Moi, je reste encore deux semaines. Je vois ce qui se passe. Hein. Ah non, mais effectivement... Bordel, à mon avis. Alors comme dit Yuzu, rejoins la bande de fous. Ouais, n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch, comme ça vous êtes au courant quand on démarre une vidéo. D'ailleurs, je voudrais vous remercier pour ça. On est passé de 170 à 180 là cette semaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On arrive près des 200 followers sur la chaîne. Je n'arrive pas à me rendre compte de ce que ça fait, mais ça c'est cool. Donc voilà, je vous passe le clip. En attendant, je vais continuer à papoter avec vous dans le chat. Prenez soin de vous, restez couverts niveau des masques encore un petit moment, parce que même si le déconfinement arrive, comme le dit Clément, il va falloir rester un peu en mode touchy pendant une semaine ou deux pour voir comment ça va se passer, mais j'espère très bientôt qu'on pourra se réunir à nouveau et puis refaire des vraies émissions dans le studio, parce que ça nous manque et parce que c'était trop bien. Donc voilà. Clément, est-ce que tu peux nous remonter et puis on ira faire coucou dans le chat pour que le clip se passe. Allez, bon appétit, bonne douche à tous et à demain. Et un petit plaisir. Voilà, ciao ciao.